Les sénateurs ivoiriens ont adopté à l'unanimité ce lundi un important projet portant sur la lutte contre la drogue. Le projet était présenté par le ministre Vagondo Diomandé en charge de la sécurité. Les vénérables sénateurs de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ce lundi 23 mai 2022. Les détails du nouveau projet de loi, adopté selon les explications du ministre Vagondo Diomandé, porteur du dudit projet de loi devant les sénateurs, ce nouveau projet de loi permettra au gouvernement d'apporter une réponse plus appropriée et une stratégie plus adaptée pour lutter plus efficacement contre la drogue. En ce sens qu'en plus du volet répression, il prend désormais en compte le volet médical des consommateurs, une coopération plus étroite entre les différents États et un meilleur contrôle des substances à usage thérapeutique. Je tiens à exprimer ma gratitude aux sénateurs qui ont fait de la lutte contre la drogue une priorité, pour leur engagement constant à accompagner les réformes, en faveur de nos populations et le développement de la Côte d'Ivoire, a exprimé le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. La question de la lutte contre la drogue est un phénomène qui préoccupe vivement le président Alassane Ouattara et son gouvernement. En avril dernier, une importante saisie de cocaïne a été réalisée par les sécurités ivoiriennes dans les villes d'Abidjan et de San Pedro. Une cargaison dont la valeur est estimée à plus de 41 milliards de FCFA. Des présumés trafiquants, parmi lesquels, des Colombiens, des Brésiliens, des Ivoiriens et des Nigérians ont également été interpellés. Lire aussi lutte contre le trafic de drogue, ce que le président Alassane Ouattara a décidé en réponse à cette importante saisie. Le président Alassane Ouattara a instruit le gouvernement ivoirien, notamment le premier ministre Patrick Hatchi, à l'effet de mettre tout en œuvre en vue du renforcement des capacités opérationnelles des structures impliquées dans le cadre de cette lutte contre la drogue. Certaines insuffisances ayant été constatées dans le dispositif de lutte contre le trafic des drogues.